Eh bien, bonjour tout le monde, ici Trong. C'est la matinée. Et pour cette matinée, je vais visiter un vide-grenier. Voilà, c'est la première fois que que je mettrai un vide-grenier sur ma chaîne YouTube. Alors, j'espère qu'il vous plaira. C'est parti, après l'intro. Voilà, je suis arrivé. Petit vide-grenier. Je vais voir s'il y a des trucs intéressants. Allez, c'est parti. Je me suis demandé si c'était à toi ou pas, mais je ne sais pas. Bonjour. Vous faites ta combien? 1 euro. N'oubliez pas, c'est la passion qui reste. Il prend une photo. Attendez, je vais sourire. Ah non, non. Bon, me voilà de retour. Voilà, je reviens de ce vide-grenier, un petit long trajet, on va dire. Alors voilà, c'était un petit grenier, hein, il y avait pas mal de trucs intéressants et à très bon prix. Alors voilà, je vais vous montrer ce que j'ai pu acheter. On va commencer par les jeux vidéo. Alors voilà. Alors celui-là, en plus, je l'ai téléchargé en émulateur, mais bon, vu le prix, ça va, je l'ai pris. Alors, je vais peut-être me tenter. Resident Evil Outbreak, hein, c'est vrai que je ne l'ai jamais joué. Hein. En plus, comme vous savez, il y a eu sur les réseaux sociaux, il y a eu une nouvelle image d'un Resident Evil où on voyait 4 personnes et des rumeurs pensent que c'est peut-être le nouveau Resident Evil Outbreak. Alors, espérons peut-être. Alors, allons voir quand même si le CD est en bon état. Oui, ça va, c'est des bons états. On a déjà ça. On a alors Metal Gear Solid 2. Je ne sais pas si je l'ai, lui. Il faudrait que je vérifie. Les deux. Voilà, les deux CD. Voilà, et le DVD. Est-ce qu'ils sont en bon état? Ouais, bon état. Ça va. Voilà. Très bon état, c'est vrai, ils en ont bien pris soin. On a un Ghost Recon Advanced Warfighter. C'est de bon état. Alors, on a un Prince of Persia, hein. Je crois que lui, en plus, je peux le lire sur ma Xbox One. Bon état. On va passer au jeu de PS4. Alors voilà, comment dire, c'est avec ce jeu-là m'a pas trop attiré, mais bon, peut-être je ferai une vidéo dessus. Hein. Kingdom Come Deliverance. C'est des modes d'état. Et voilà, pour en conclure, on a un Assassin's Creed Origin. Voilà, CD en bon état. Faudrait que je me refasse peut-être une collection d'Assassin's Creed, moi. Alors, voilà déjà pour les jeux. Alors, pour la suite. Ah, voilà. J'ai acheté ça, alors 2 euros. C'est un gars qui jouait avant sur Xbox One. Une coque, voilà. Une coque d'Xbox One. Donc, faudrait que je la nettoie. Peut-être un jour, je la mettrai. Ça, c'était le blast du gars. Donc, faudrait aussi que j'enlève l'étiquette. Je verrai peut-être, ouais, ça fera joli pour ma Xbox One, je verrai un jour.
Alors, un petit personnage, Star Wars, Luke Skywalker. Alors, on va voir s'il a tous les pièces. Ah bah tiens, en plus, il est même monté. Ils l'ont monté. Voilà, attendez. La tête, le corps, les menottes, le pistolet laser et le sabre laser. Hein. Parce qu'en plus, j'en ai d'autres. Hein. Peut-être un jour, je vous montrerai. J'ai des petits personnages comme ça de Star Wars. Collection, c'est très joli. Pour en conclure, voilà, j'ai acheté des cartes Pokémon. Alors dans ce gros deck qui est le plus gros, il paraît qu'il y a des Pokémon rares. Alors voilà, pour ça, je vais vous proposer un truc. Voilà, je vais faire un sondage. Et sur sondage, voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo, ce qu'il y a comme Pokémon dans ces deux paquets, alors vous marquez soit description, oui et non. Ben voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans ce vide-grenier. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner et de me soutenir avec mon Tipeee. C'était Tronc et je vous dis bon dimanche à tous. Salut! I just wanna be the one you love.